et il y en a sur une partie après. Notre auberge du Bèze est une affaire de famille, elle date des années 1800. Ça fait au moins 5-6 générations qu'il y a des champelles et des théissiers qui tiennent cette auberge. C'est une auberge rurale qui a toujours accueilli les gens de passage qui allaient faire les marchés, les foires à Loubarès, à Langogne, à Saint-Étienne-du-Lugdarès. C'est mon mari, c'est lui le cuisinier, il a hérité du don de sa maman, si on peut dire, pour faire la cuisine. Et moi, je l'aide en pâtisserie et les légumes. On leur sert aussi des produits bon, du terroir, puisque nous élevons nos cochons, on fait toute notre charcuterie, on fait aussi notre beurre. Et au service, avec deux ou trois employés, des fidèles qui sont là toute l'année et que j'apprécie beaucoup. Peu à peu, chaque génération améliore l'auberge du Bèze, c'est d'y mettre sa touche personnelle. Maintenant, on est la belle bistrot de pays. On est dans le parc naturel régional aussi. On est goûté l'Ardèche. Ça fait de nous une auberge réputée où les gens se sentent bien, surtout, c'est ce qu'on veut. Ils peuvent y dormir. On a un petit hôtel de 8 chambres. On a aussi un gîte d'étape et de séjour pour une trentaine de personnes. J'espère que les gens se sentent comme chez eux, c'est ce que je voudrais. Merci. Je crois qu'ils en ont mis un petit peu. Il me semble qu'il y en a deux, un petit peu.